Échange hier lundi à Cotonou entre l'Agence nationale des transports terrestres, ANATS, et les responsables des fêtières de transport de personnes et de marchandises en République du Bénin. Les travaux se sont déroulés autour de la problématique transport mixte. À travers cette rencontre d'échange, l'ANAT entend engager des actions fortes pour un changement de comportement des acteurs de la chaîne des transports, en l'occurrence les transporteurs et les conducteurs. Pour rappel, le transport mixte est un mode de transport formellement prohibé au Bénin et entre les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). La pratique consiste à charger simultanément des personnes et des marchandises dans un même véhicule.